Salut à tous, la clé c'est la vie, épisode 27. 26, 26, pardon, 26, pas 27. C'est la suite de l'épisode DGLFI, épisode 17, qui m'a légèrement mis les nerfs en pelote. Si vous avez eu la vidéo sur la DGLFI, épisode 17, donc vous auriez dans le descriptif, je vous parle de la commande shred. To shred en anglais, c'est déchiqueter. Shredder, c'est déchiqueteuse, donc le personnage Shredder des Tortues Ninja, c'est déchiqueteur. Ça donne envie. Donc, la commande Shred, comme son nom l'indique, traite les fichiers très gentiment et les rend irrécupérables. Donc, je vais partir des vidéos que j'avais utilisées pour préparer la DGLFI épisode 17. Voilà. Mis à part, bien sûr, le truc en cours d'enregistrement. Vous avez vu, il y a plusieurs DGLFI, P1, P2, 3 et 4. Parce que je coupe les vidéos, je les remets. Si on fait un man Shred, voilà, ça surécrit le fichier en question jusqu'à pour le rendre illisible, même avec du matériel très intense. On peut forcer, mettre le nom d'itération, lui dire, bon, tu vas faire tu vas le randomiser, tu vas le remplir de zéro après, bref. Donc je vais montrer. Enfin, les deux principales options. Je vais prendre le premier fichier qui, bien sûr, va se lancer si je fais un petit MPV DGLFI P1. Salut à tous, DG. Bah, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, je vais faire un petit shred DGLFI P1. Ça prend quelques secondes. Et là, il va le traiter. Et là, si je refais la commande MPV, impossible de reconnaître le fichier. Tiens donc. Le fichier a été complètement rendu illisible. Ah, mais le P2, je vais mettre moins Z. Ouais, bon. Vous voyez, c'est très simple. C'est une commande super puissante. Et on va mettre moins Z pour le remplir de 0. Non, le fichier est bien. Hein, il va être rempli de 0. Si je fais un petit MC et que je regarde celui-ci, je fais un F3, il va être rempli de 0 normalement. Bon, il ne va pas se lancer, c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre un autre fichier. Donc, je vais prendre le M2. On va prendre le P4, il est plus court. Ou le P3. Le P3 est le plus court de tous, donc je vais le mettre en 0. Et normalement, si je lance Minet Commander, si je fais Shift F3, il n'y a que des zéros. Mais je peux vous prouver avec un autre fichier, par exemple celui-là, que le contenu en réalité doit être beaucoup plus différent. Voilà. Normalement, ça c'est le contenu d'un fichier vidéo. Vous voyez, aucun rapport. Et si on prend le premier, il n'y a strictement que dalle. Donc la commande shred permet vraiment de détruire des fichiers. Mais ce n'est pas que les vidéos qu'on peut détruire. Non, 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 non. Tout type de fichier. Donc je vais dans public. Ah, l'image ISO de la Reborn OS. Miam! Je pouvais d'ailleurs qu'on peut la monter avec le contenu. Ça, je vous montrais qu'elle se monte très bien. Bah, si je fais ouvrir avec le monteur de disque. Si on va sur la Reborn, on a l'ensemble, Arch, ouais, on a l'ensemble. Donc là, je vais le démonter. Et maintenant, je vais lui régler son compte. Et c'est un peu long parce que l'image du jeu est un peu grosse, mais on peut détruire tout type de fichier avec Shred. Et vous ne pourrez pas le récupérer. Par défaut, il fait 3 passes. On peut en mettre 15, on peut mettre des zéros, on peut randomiser l'ensemble. Ça permet de détruire des fichiers. Un simple DEL, enfin, un simple RM ne suffit pas forcément. Donc, pour les fichiers que vous avez vraiment envie de détruire, utilisez la commande shred. Que ce soit pour des raisons de sécurité ou des raisons de simple vengeance. Oui, de la simple vengeance. Et c'est jouissif.
Voilà, ça a pris 44 secondes. Et maintenant, si je veux monter le fichier, normalement, il va faire une grosse erreur. Pas mal monter, on ne connaît pas le format de fichier. Donc, public. Si je fais Imagisque, rien ne se passe. Le fichier n'est pas image ISO. Et si on fait petit MC et qu'on fait un F3, je dis F3, ce n'est pas franchement une image ISO. C'est du n'importe quoi. Et après, bien sûr, on peut simplement effacer le fichier. Voilà. Hop ça. Je voulais vous montrer comment fonctionne la commande shred. C'est un outil bien pratique pour détruire des fichiers, que ce soit avec une simple passe de chiffres aléatoires ou avec des zéros. Là, c'est le meilleur moyen de se venger d'un fichier qui vous a vraiment fait chier. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.